qui participe à la déstabilisation du Burkina Faso? Quelles sont les forces extérieures pointées du doigt et quelles sont les implications pour la région? Le jeudi 11 juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a accusé la Côte d'Ivoire d'héberger des individus visant à déstabiliser son pays. Lors d'une rencontre publique retransmise à la télévision, il a affirmé « Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire ». Selon le président Traoré, il existe un centre d'opération à Abidjan dédié à la déstabilisation du Burkina Faso. Il a promis de fournir des preuves physiques dans les jours à venir. Le président burkinabé a également accusé le Bénin d'héberger des bases militaires françaises qui menacent son pays. Il dit, je cite, « Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous ». Fin de citation. Le président Traoré affirme que ces bases, avec des pistes réaménagées et des avions atterrissant régulièrement, servent à former et à équiper des terroristes. Des enregistrements audio d'agents français au Bénin appuieraient ces accusations. Je vous laisse écouter le discours et on se revoit à la fin. Dans le domaine donc de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. Je puis vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Mais nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi.
et nous n'avons rien contre le peuple béninois, là nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Des avions atterrissent, les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux, ils les aident à se soigner, ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières, parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience, et je le répète toujours, le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays, et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir, les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Pour venir, dans le volet communication et culture, nous avons lancé plusieurs initiatives. Au cours de l'année 2024, vous avez pu célébrer avec nous donc le mois donc de consommation locale. Nous avons eu les journées traditionnelles, le mois du patrimoine. Beaucoup d'activités ont été menées. Nous allons continuer à ramener en surface donc notre culture, parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité. Nous allons continuer des actions dans ce sens, à mettre en valeur notre culture, à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé. Et nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina Faso à travers sa manière de communiquer. Parce que tout se trouve dans la communication aussi. Vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressé contre nous et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels. Lorsque nous voulons poser un acte communicationnel, qu'on se pose la question, est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie, avant de poser l'acte. Peu importe. Vous pouvez ne pas nous aimer, moi, ma personne, vous pouvez ne pas m'aimer, mais vous devez aimer votre pays. En me faisant du mal, il ne faudrait pas confondre le pays. Et donc, la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens-là. Et nous serons obligés donc de recadrer la communication sur tous les aspects. Et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée. Nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso. Nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences. Nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et de regarder d'autres discours incroyables déjà présents sur la chaîne.